Bonjour, je peux vous gêner? M'aider, c'est d'ailleurs que... Quel article vous intéresserait? Si je vous dis une paire de chaussures, vous allez me prendre pour un fou. Oui, effectivement, oui, nous ne vendons pas de chaussures. Donc je réitère, quel article vous intéresserait? Mais cette question, un canapé... Quelle pointure? Pardon? Je plaisante. Est-ce qu'on peut être vendeur et avoir de l'humour? Vous allez au théâtre? Ah oui, ah, bah, très souvent. J'adore le théâtre. Non. Ah si, ah, je suis comme qui dirait un fondu, un passionné, oh. un accro, un fan. Oh. Alors, si vous aimez le théâtre, vous avez forcément vu des pièces à moi. Je suis metteur en scène. De théâtre? De théâtre. Voilà. Je m'appelle Fabien Romain. Fabien Romain, c'est vous? Ça ne dit rien du tout. Mais, alors, vous inquiétez pas, parce que au palais du canapé, on en a pour tous les goûts, mais que du bon goût. Je n'en doute pas, je n'en doute pas, quoique ce modèle-là, par exemple, j'en suis pas foufou. Et cet autre, hein, le côté pépom, grand siècle, là, c'est... Donc... Hein? Je cherche un canapé. Oui, mais je suis au courant. Un trois places non convertible. Comment vous savez ça? J'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est ce modèle-ci. Ça? Mais quelle horreur! Non, mais vous n'y pensez pas. Ça fait vieux théâtre chiant. Chez des gens chiants, je dis pas. Mais sur scène, jamais! Non, mais vous me voyez jouer sur cette chose immonde. Oh, oui. Ah si, ah moi, oui, si, bah si, oui, bien bien. Sur celui-là. Là, c'est complètement autre chose. Sur ce canapé, on ne voit que vous. Seules les comédiennes savent sur quoi elles doivent s'asseoir. Les metteurs en scène, eux, n'y connaissent rien. Et d'autant plus que c'est pas eux qui s'y assoient. Exactement, ce n'est pas eux qui s'y assoient. Donc, nous prenons celui-ci. Et je compte sur vous pour être mon allié dans ce choix, mon ami. Vous pouvez compter sur moi. Alors, j'ai rien pu faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai argumenté, mais je me suis bagarré pour défendre votre choix. J'ai été brillant, convaincant. Mais hélas... Mais hélas... Mais hélas, Madame Priscilla a choisi ce modèle-ci. Ah, le modèle immonde. Mais quand je vous disais qu'elle avait un goût... Ouais, de merde. Non, mais s'il vous plaît, pas de grossièreté à propos de mes canapés. Puis vous savez, moi, je suis là pour vendre. Alors, le choix des clients... Ah, malgré tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai rien pu faire.